Le codex a été réalisé, lui, au XIVe siècle, mais les romans sont antérieurs, puisque Le Chevalier au Lion est écrit entre 1175 et 1180. Et L'âtre périlleux, qui est un roman anonyme, est écrit à la fin du premier tiers du XIIIe siècle. Ces deux romans ont été rassemblés donc dans ce manuscrit au XIVe siècle, et dans l'ordre qui n'est pas l'ordre de la composition, puisque le roman consacré à Gauvain vient avant celui consacré à Yvain. Pourquoi ont-ils été rassemblés? Sans doute parce que tous les deux interrogent la question de la renommée, de la réputation, du renom. Gauvain est un chevalier qui, précisément, a une réputation extraordinaire. Toutes les demoiselles du royaume sont amoureuses de lui sans l'avoir jamais vu, et toutes vantent évidemment à leurs amis respectifs la prouesse et la courtoisie de Gauvain, ce qui lui vaut d'être presque tué par des chevaliers jaloux de sa renommée. Et une fois que donc tout le monde pense que Gauvain est mort, Gauvain, puisqu'il a perdu sa réputation d'une certaine manière, il l'a perdu aussi en ne défendant pas la demoiselle à la cour, perd en pratiquement son être, en fait. Sa réputation, c'est son être. Et à partir de ce moment-là, du reste, il va prendre un surnom, Cil sans nom, le chevalier sans nom. Et il va devoir donc reconquérir son identité en retrouvant sa réputation, précisément. Donc on voit bien comment ce roman tourne autour de cette idée du renom. Quant à Yvain, on voit que c'est un parcours un peu similaire, puisque lui était un chevalier très honorable, avec une réputation évidemment très grande à la cour du roi, mais il met au service, comme je le disais, il met au service de la vaine gloire, enfin il met sa prouesse au service de la vaine gloire, et quand il perd son épouse, il comprend en fait qu'il a précisément mal usé de sa vaillance, et il va la mettre cette fois au service donc des jeunes filles en détresse. Et il le fait précisément à partir du moment où il a rencontré le lion. Et rencontrer le lion et prendre la défense du lion était le signe de son progrès spirituel, en quelque sorte, puisqu'il a compris la notion abstraite que le lion, en fait, symbolisait. Le lion est du côté du bon et du bien, et donc il va acquérir de cette manière un surnom qui est comme une espèce de surplus d'être. On voit comment Gauvain, lui, a perdu son être d'une certaine manière. Yvain, lui, gagne en fait quelque chose, mais on voit quand même comment les deux romans tournent autour de cette question de la réputation, du nom, de la renommée et de l'accord entre l'être profond du chevalier, sa prouesse, et le renom qu'il peut avoir. On ne sait pas grand-chose du commanditaire, du scribe ou de l'enlumineur de ce manuscrit. Il s'agit d'un manuscrit produit en Flandre dans la première moitié du XIVe siècle. Mais le style est trop original pour être rattaché à une école. Le cycle d'enluminure est tout à fait original et sans équivalent dans la littérature vernaculaire. Il n'y a qu'un seul enlumineur qui propose un style original, il propose une lecture personnelle du roman. C'est quelqu'un qui a lu, compris Chrétien III et qui veut nous en donner une lecture psychologique. Il s'intéresse aux règles de courtoisie et aux sentiments humains. L'illustration de L'âtre périlleux est particulièrement originale puisque l'enlumineur nous propose un bifeuillet, donc deux peintures pleines pages qui introduisent le texte et quelques enluminures au fil du texte pour compléter ce bifeuillet. Ce collecte, c'est tout à fait particulier parce qu'il n'existe que 8 manuscrits complets d'Yvain. Les manuscrits de Chrétien III sont assez rares et ils sont très rarement illustrés puisque les œuvres de Chrétien étaient tombées en désuétude avant la grande période de production de manuscrits de luxe en langue française. Ce manuscrit était en collection privée jusqu'au XVIIIe siècle. Son dernier possesseur est connu, il s'agit du marquis de Lassay. Puis le manuscrit est entré dans les collections royales en 1740.